Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le plus gros haul de l'histoire de ma chaîne. J'ai complètement craqué mon slip, d'ailleurs la vidéo pourrait clairement s'appeler le craquage de slip de Pixie. J'ai dépensé tellement d'argent ces derniers mois, alors il faut savoir que j'ai pas tout acheté d'un coup, hein. Je préfère vous prévenir, ça fait plusieurs mois que j'accumule, il y a eu mon anniversaire, il y a eu Londres, il y a eu Annecy, il y a eu des cadeaux. Bref, du coup j'espère que la vidéo vous intéressera, sachez qu'il y a énormément de choses que je dois vous montrer et que j'ai également pensé à vous puisqu'il y aura un petit concours en fin de cette vidéo. Je vais commencer tout de suite parce que sinon je vais jamais m'arrêter de parler. Donc je commence avec les achats faits à Disneyland Paris. Donc la première chose que j'ai eue, je pense que vous vous en rappelez parce que je vous en ai parlé il y a très très longtemps, c'est les deux Tsum Tsum Aristocha qui me manquaient. Et donc je les ai enfin récupérés, donc ils vont enfin pouvoir aller là-haut. Avec ça, il y a la fée clochette de Disneyland Paris que je trouve absolument trop trop chou. J'étais obligée de la prendre. Si vous ne le savez pas, Clochette est vraiment mon personnage préféré Disney. Et le gros craquage, le dernier craquage que j'ai fait à Disneyland Paris, c'est ce Pins fée clochette que je trouve très très joli et qui ira compléter mes Disney Bounty. Je trouve qu'il fait vraiment bijou pour le coup. C'est vraiment un très très joli Pins. Il y a quelques semaines, je me suis rendue au Disney Store des Champs-Élysées et là aussi j'ai fait quelques achats. Alors je m'étais promis de rien m'acheter puisque je savais que je partais bientôt à Londres et que j'allais sûrement faire des folies, mais j'ai pas pu résister. Donc j'ai acheté notamment ce petit set pour faire des glaces Mickey Disney. Pour l'instant, ce que j'ai testé, j'ai pas encore vraiment compris le principe, mais je pense que ça va aller. C'est vraiment pour faire des glaces à l'eau et vous le mettez ensuite au congélateur. J'ai dû le payer quand même une bonne dizaine d'euros. Avec ça, j'ai acheté quelque chose que j'avais depuis très 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 longtemps sur ma wishlist. Vous savez que je suis pas vraiment Funko Pop, même si je commence à craquer de plus en plus, et il y en avait une que j'avais depuis une éternité sur ma wishlist, c'était Russell, Russell de là-haut, que j'ai pas encore déboxé mais que je vais bientôt mettre à l'arrière de mon fond YouTube. J'adore ce personnage, il va très bien avec Doug que j'ai juste ici, et du coup il me manque maintenant que Carl, le petit vieux de là-haut. Là-haut est mon film préféré Pixar, même si je pense que Coco va bientôt le détrôner. Gros gros coup de cœur sur cette pop que je suis hyper contente d'avoir. Dernier petit craquage, ce gobelet, j'adore les gobelets Disney, voilà, j'ai une grosse addiction, et celui-là en plus j'avais hyper envie de l'utiliser, ce que je n'ai pas fait parce que tant que je vous ai pas montré les achats en haul, je les utilise pas. Donc c'est un verre Toy Story un peu rétro avec une réinvention vraiment des personnages, donc on a vraiment tous les personnages de Toy Story. La paille change de couleur avec de l'eau froide, bon c'est le petit gadget mais je trouve ça rigolo. Je passe ensuite au cadeau qu'on m'a fait, et croyez-moi il y en a un petit peu pour tous les goûts, il y en a que j'ai depuis une éternité. Ceux qui sont très fidèles à la chaîne reconnaîtront sûrement ces trois objets. Pour vous expliquer un petit peu, j'avais fait un swap avec Wapi à Noël dernier et il y avait trois objets qu'elle n'avait pas reçus en temps et en heure. Donc c'était l'attache bagage de Baymax, ce porte-clés qui est censé faire de la lumière mais qui n'en fait plus, et ce rouge à lèvres Max Cendrillon que je n'ai pas encore essayé. Et en fait au mois de mars ou d'avril, on s'est rendu compte avec Wapi qu'elle ne les avait toujours pas envoyés. Du coup elle me les a fait parvenir et je les ai mis de côté en me disant je vais vous les montrer, donc les voilà. Et toujours dans la partie ça remonte à Mathusalem, mais quand même il faut que je vous les montre. Il y a ce pyjama Primark de Londres que Sarah m'a rapporté, ma petite copine Sarah Dot, et qui m'a ramené le 12 avril, donc ce pyjama de Mickey avec le petit short associé, voilà. Sarah Dot, si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là, sache que je vais enfin pouvoir le mettre sur mes fesses. Et deux petits cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, donc il y a ce t-shirt que je vous ai montré sur Snapchat, donc les Pixie Chats doivent savoir de quoi je parle. Il s'agit de ce haut, Welcome to the Jungle, qui est un haut undies vraiment trop trop beau. Il y a un détail sur les côtés qui est assez sexy, donc là vous n'avez pas de tissu et ça fait un petit écart. Enfin j'aime beaucoup ce côté un peu brassière. Et il m'a été offert par ma maman pour mon anniversaire, et il a donc coûté 15 euros, mais peut-être qu'il sera en solde à l'heure actuelle, donc ça peut valoir le coup. De ma copine Solène pour mon anniversaire, elle m'a offert une gym short de Mickey que j'ai pas ouvert. Elle est vraiment trop mignonne. Faut savoir que de base je collectionnais beaucoup les gym shorts, je me suis arrêtée, je les ai quasiment toutes revendues, mais je la trouve très jolie et du coup elle a une valeur symbolique. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai une véritable addiction pour les livres Disney, et forcément pour mon anniversaire le 4 juin dernier, certains proches n'ont pas manqué de m'offrir des petits cadeaux en rapport. J'ai notamment eu ce kit de cartes postales super joli de Pixar, parce que j'aime autant Pixar que Disney, voire un peu plus. Je trouve que le coffret est très sympa, et d'ailleurs je vous avais mis un petit aperçu sur Instagram si vous voulez voir un petit peu quelques cartes postales, en tout cas mes préférées. Toujours de ma copine Solène, j'ai eu également ce Disney Golden Book de là-haut. Les illustrations sont très très jolies, vraiment
énorme coup de cœur pour ce bouquin qui faisait en plus partie de ma wishlist. Je me rends compte que j'ai de plus en plus envie d'acheter des little golden books comme ça pour les avoir dans ma collection. Et de mon père et de ma belle-mère, j'ai eu le livre de La Belle et la Bête, l'histoire éternelle d'un chef-d'œuvre. Alors je l'ai eu sans sa surcouverture, je ne sais pas pourquoi. Apparemment quand vous l'achetez en boutique, c'est souvent ce qui se produit. C'est la réédition du livre Tell As Old As Time dont je vous avais parlé sur le blog. Vous avez en plus une partie sur le live action et bon bah forcément là il est en français. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une review sur ce livre dans un des prochains Disney Books, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Vu que je vous ai donné un avis un petit peu sur la version anglaise, est-ce que vous aimeriez savoir ce que je pense de la partie en plus ou pas? Et pour ma part, j'ai également craqué sur des livres, hein, notamment le Disney Graphics que j'ai lu il y a à peu près un mois et que je mets de côté pour vous en parler dans le prochain Disney Book. Il y a également ce livre qui s'appelle Disney Beauty et que je guettais depuis très très longtemps parce que je vais vous faire une vidéo crash test où je teste les tutos make-up et je pense qu'on va bien se marrer parce que c'est vraiment pas mon délire, de la part de mon chéri pour la Saint-Valentin. Et ouais, on n'a pas du tout de retard. J'ai eu l'Art of d'Hercule que j'ai lu et là par contre je vous ferai une review sur le blog, je pense. J'ai déjà des petites idées de comment le prendre en photo et tout, et c'est un très beau livre, mais je ne vous en dis pas plus là encore. Ça fait très très longtemps que je le voulais celui-là, il était dans ma wishlist depuis une éternité et là encore il n'y a pas la surcouverture. Et j'ai une tradition personnelle qui consiste pour les Noëls et les anniversaires à m'offrir un cadeau de moi à moi. Cette année c'était le livre Disneyland Paris de l'esquisse à la création que j'ai eu à un prix très avantageux encore sous blister. Quand je l'aurai lu, que je serai décidée, je vous en ferai une revue sur un Disney Book ou sur le blog et je vous donnerai l'astuce que j'ai eu pour l'acheter moins cher. Si vous avez un petit peu suivi mes aventures, que vous êtes un petit peu assidu sur la chaîne, vous savez que mi-juin j'étais au Festival International d'Annecy d'animation. Il y avait une magnifique boutique remplie de livres. Il a fallu vraiment que je me fasse violence pour pas acheter, mais j'ai été sage parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bouquins qui coûtaient beaucoup plus cher dans la boutique que sur internet. Mais j'ai quand même acheté deux bouquins que je vais vous faire en Disney Book. Je suis actuellement en train de lire ce livre qui est Ghibli, les artisans du rêve, et qui m'a coûté que 12,50€, donc je trouve que ça reste quand même assez raisonnable pour un bouquin. Surtout que les Ghibli, bah moi j'en ai aucun dans ma bibliothèque, j'en ai beaucoup en wishlist mais je les ai pas encore achetés. Et le deuxième c'est une biographie sur Hub Iwerks et l'homme créé à la souris. Si vous ne connaissez pas vraiment l'histoire de Disney, sachez que Hub Iwerks, c'est à lui qu'on doit notamment Oswald et les premiers dessins de Mickey puisque c'était l'associé de Walt Disney. En tout cas là j'ai toute une bibliothèque de choses à lire, donc je pourrais pas me plaindre de pas avoir de choses à lire cet été, hein. Et j'allais oublier ma folie majeure du festival d'Annecy, j'ai acheté cette énorme licornouchette. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de là la taille qu'elle fait, elle est plus grande que Clochette le chat. C'est une très très belle licorne de l'univers Moi Moche et Méchant. Elle m'a quand même coûté 50€. Pas une petite somme, mais je la voulais vraiment 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 vraiment. J'avais un coup de cœur dessus, j'adore son regard vide, sa petite corne. Enfin c'est ma petite licornouchette quoi. Avant de vous montrer mes achats de Londres, je vais vous montrer quelques petits achats random que j'ai fait sur internet. Et notamment mes dernières acquisitions AliExpress. Ce petit verre, quand je vous disais que j'avais une vraie addiction pour les verres Disney, c'était pas un mensonge. Je l'ai payé à peu près 13$ il me semble sur le site d'AliExpress. Il était en trois couleurs, noir, rouge, transparent, et moi j'adore le transparent. Il est assez résistant, par contre je viens à l'instant de le faire tomber et il y a déjà une petite éraflure, donc faites attention quand même, mais il est vraiment magnifique. Toujours d'AliExpress, et ça je vous montrerai ça en close-up, j'ai acheté ce petit collier avec un coquillage qui ne sera pas sans vous rappeler Ursula slash Vanessa. Gros coup de cœur pour ce collier que j'ai payé moins d'€1 il me semble et qui fera son effet je pense sur les Disney Bound. Et j'ai également acheté sur le site d'AliExpress ces petits autocollants pour décorer chez moi, donc l'un You can do it if you can dream it, qui est une citation de Walt Disney, et celui-ci Hakuna Matata, it means no worries. Et j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur ma décoration d'intérieur Disney, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le genre de vidéo qui vous intéresserait, je noterai pour la suite. J'ai également acheté ce patch de Mickey, je suis sûre que je vais lui trouver une utilité, et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur le blog ont déjà vu ce pins Cusco, j'adore ce film. Et ça vient de Fandom Flair. Fan Flair, c'est une édition limitée 50, donc j'ai foncé dessus tout de suite quand je l'ai vu et je vous conseille vraiment de le suivre. C'est un site américain mais ils livrent en France et dans le monde entier je suppose. Leurs modèles sont vraiment très jolis et en plus c'est une youtubeuse Disney qui le fait puisque c'est Sarah Snitch alias maintenant Sarah Sterling. Je vais vous montrer les quelques achats que j'ai fait moi-même au Primark en France. J'ai notamment acheté ces petites chaussettes de Bob l'éponge. J'adore Bob l'éponge, genre vraiment, sachez-le. Donc il y a Bob, Monsieur Krabs, Patrick l'étoile de mer, donc je les trouve vachement rigolotes. Je suis triste par contre qu'il n'y ait pas Carlo le calamar qui est un personnage que j'adore, mais bon. Et
ce magnifique, mais vraiment magnifique pyjama de La Petite Sirène. Donc vous avez le bas qui se présente comme ceci, donc qui est un short avec le petit haut pyjama comme ça. J'en ai aucun vraiment, je me suis dit bon allez quitte à acheter un pyjama, achète un truc un peu différent. Et donc l'ensemble m'a coûté 14€. Et oui aussi, sachez que ces petits nœuds là que je trouve trop mignons, ces petits pompons qui font oreille de Mickey, c'est des Forever 21 qui m'ont coûté 6€. Donc ça y est, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous montre tous les achats que j'ai fait à Londres. J'ai un peu craqué hein. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de vlog à Londres pour la simple et bonne raison qu'avec Betty, à part faire les deux... Ouh. Tout vient de se casser la gueule, tout va bien. Je ne vais pas vous faire de vlog sur Londres pour la simple et bonne raison que j'ai quasiment pas d'image en fait. À part avoir fait les deux Primark de Fontencomble et le Disney Store avec Betty, on n'a vraiment rien fait. Mais je vous mets quand même quelques images du Disney Store qui est extrêmement bien thématisé, que j'ai été obligée de prendre pour vous. Pour moi c'est vraiment le plus beau des Disney Store que j'ai visité jusqu'à présent. Il y a toute une partie, La Belle et la Bête, qui est hyper thématisée. On a le carrosse de Cendrillon, on a Mickey, auquel j'ai pas pu m'empêcher de faire un bisou. Et petit bonus en plus, il y avait des soldes, j'en ai profité hein, quelques jours avant les françaises, notamment ces produits-ci où j'ai été complètement faible pour la simple et bonne raison, bah déjà qu'il y a clochette, mais en plus de ça qu'il y a marqué Pixie dessus, donc il m'en fallait pas plus. Donc j'ai acheté ce gobelet, puisque vous connaissez mon addiction au gobelet, enfin là maintenant j'en ai 3 nouveaux dans la collection, et il m'a coûté 3,99€, donc un peu moins de 5€. J'ai également acheté les chaussettes Pixie, parce que bah les chaussettes quoi, 4,19€ à la place de 6. Il y a celles-ci qui ont des pompons, donc je pense que pour les Disney Boons ce sera vachement sympa. Mais j'aimais beaucoup ce petit design et je crois pas les avoir vus en France en plus. J'ai acheté un lot de 3 carnets, alors ça ne se voit pas là comme ça, mais donc il y en avait 3. Il y avait celui-ci avec marqué Pixie dessus, tout un tas de petites fées qui est déjà en train d'être utilisé parce que je suis en train de le prévoir pour mon prochain voyage, je suis déjà en train d'écrire dedans. Et le troisième que moi je vais vous faire gagner dans mon concours, voilà comme ça vous aurez une petite touche Pixie avec vous. Et le dernier achat que j'ai fait au Disney Store de Londres, et j'espère vraiment que je vais réussir à le lire jusqu'au bout parce qu'il est quand même énorme, c'est une nouvelle réécriture de La Belle et la Bête qui vient d'une collection où il y a notamment Aladdin et Maléfique. Et la vendeuse m'a vraiment convaincue de l'acheter, c'était une fan Disney qui avait également lu les livres Miroir Miroir et l'histoire de la bête. Donc on a discuté un petit peu en anglais et franchement elle m'a dit que cela était génial, donc je me suis dit que j'allais tester pour vous. Ils sont à 7,99€, un peu moins de 10€, pas sûr à 100% d'arriver à le lire, j'espère vraiment que j'en serai capable parce que mon niveau d'anglais est pas si mauvais que ça, mais bon quand même. Et si c'est le cas, vous l'aurez dans le prochain Disney Book aussi. Je vous montre également les programmes des deux comédies musicales que j'ai été voir, puisque j'ai été voir Aladdin et le Roi Lion, en bonne fan Disney qui se respecte. Je vous fais également un avis ici puisque je ne vais pas faire de vidéo sur Londres. J'ai largement préféré le Roi Lion et je vous conseille vraiment, si vous ne pouvez voir que l'un des deux, que ce soit à Broadway ou à Londres, de privilégier le Roi Lion parce que pour moi c'était absolument incroyable, toutes les émotions que j'ai ressenties, la beauté des décors, les voix, mais les voix. Ces quelques ajouts, malgré le fait que ce soit très 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 similaire à la version Disney, c'était parfait. J'ai beaucoup aimé Aladdin aussi, mais beaucoup moins, dans le sens où je trouvais que la comparaison était un petit peu compliquée. J'ai aussi vu La Belle et la Bête au Mogador et je le trouvais au-dessus. La performance du génie était incroyable, vraiment magnifique. La scène de Je suis ton ami et Prince Ali, magnifique, mais pour le reste j'ai trouvé que c'était vachement vide. Il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à la version Disney, notamment Jafar qui est beaucoup plus ridicule, Aladdin qui se retrouve avec des acolytes que personnellement je n'aime pas, et du coup j'ai un peu moins accroché. Et surtout ce que j'ai pas aimé, ce qui m'a un peu déçu, c'est que j'ai fait de la danse orientale pendant très longtemps et là il n'y en avait aucune pendant le spectacle, sachant que c'est quand même un conte arabe. J'ai été vachement dégoûtée, mais le spectacle était magnifique et j'ai pris cet énorme programme parce que j'adore ramener les programmes du théâtre. Et celui-là est trop beau, on dirait un écrin quoi, un bijou, ça doit se refléter partout, c'est rigolo. Que j'ai payé 10 livres, si je dis pas de bêtises. Je trouve même plus de place pour mettre mes objets tellement il y en a. Et pour le Roi Lion, j'ai acheté le mini programme mais je me suis fait avoir, honnêtement je vous conseille pas de le prendre, il m'a coûté 6 livres mais je vois pas l'intérêt. Et ça neuf du coup, et vous avez toutes les images du Roi Lion et waouh la beauté quoi. Et pour moi c'est vraiment des souvenirs très précieux, surtout qu'on peut pas filmer dans les salles. Ça fait un petit souvenir en plus vous voyez. Bon, roulement de tambour, on termine par Primark où j'ai un peu craqué mon slip, surtout que je suis un petit peu maso dans ma tête, c'est à dire qu'on a fait le premier Primark le lundi et le mardi on est retourné à l'autre Primark, donc j'ai fait deux fois plus d'achats. Donc je vais commencer par les sacs, vous avez bien entendu hein. J'ai acheté deux tote bags, donc celui de Bob l'éponge, ça pour les anciens de ma génération je pense que vous connaîtrez sûrement, c'est Couette Couette des Razmoquettes et j'étais trop contente de la trouver, donc à 3 livres je me suis pas privée non plus.
Voilà, alors il faut savoir que sur AliExpress j'en avais beaucoup vu des comme ça, mais il y avait le nœud de mini. Donc forcément j'avais pas acheté, mais je le trouvais magnifique. Et là en tout simple comme ça, je l'aime beaucoup. J'ai mis le pompon d'Aladin que je me suis acheté. Avec Betty on se l'est acheté en double, en mode hashtag BFF forever. Donc elle, elle a le violet et moi j'ai le bleu. Et il y avait également ces deux petits porte-clés. Au niveau vêtements, j'ai craqué pour ce short Lilo et Stitch qui était beaucoup beaucoup trop chou. J'ai également acheté ce haut Mickey. Alors de base je pense pas que j'aurais craqué, mais là la matière faisait que franchement j'étais super bien dedans, je le trouvais très joli. Enfin j'ai vraiment eu un gros coup de cœur dessus. J'ai également eu un énorme coup de cœur sur ce t-shirt Because I'm a Lady That's Why, qui m'a coûté 6 livres. C'est du Disney mais ça reste quand même discret, donc j'aime beaucoup ce genre de t-shirt. Ça c'était le short qu'il me fallait, c'était le short de ma vie. Voilà, donc vous avez Clochette d'un côté, Never Grow Up de l'autre, en gris comme ça, j'adore le gris, donc voilà, ça me correspond bien. Il y avait ce t-shirt-ci, alors celui-là j'ai eu un gros coup de cœur dessus, la seule chose qui m'a dérangée c'est qu'il est un peu transparent. Et il est à 6 livres, Mermaid in Training, et comme je savais pas ce qu'on avait en France de par rapport à ce qu'on avait en Angleterre, bah du coup je me suis un peu lâchée. Donc je sais pas, ça se trouve avec un peu de chance vous retrouverez les modèles en France, je vous le souhaite en tout cas. Et au niveau des chaussettes, donc j'ai acheté ces trois paires là, donc Belle et la Bête, mais je crois que celles-ci sont commercialisées en France hein, si je dis pas de bêtises, à 2,50 €. Et Pushin, alors c'est pas Disney là encore, mais Pushin en sirène, j'étais obligée. Oui, c'est Pushin sirène et ça c'est Pushin licorne. Et le dernier achat que j'ai fait et que vous allez voir dans mon fond YouTube, et ça je sais qu'il est disponible en France au prix de 16 € si jamais vous le voulez, moi je l'ai payé 12 livres du coup, une lumière comme ceci. Donc vous avez le modèle Mickey ou Mini, forcément j'ai pris Mickey. Et donc préparez-vous à voir bientôt encore un changement à l'arrière, parce que je pense que je vais encore modifier mon décor YouTube. Voilà ma Pixie Army, c'est tout pour cet énorme haul, j'espère que vous êtes toujours là. N'hésitez pas à mettre le hashtag toujours là si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo interminable. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager et pour me dire si jamais ce genre de vidéo aussi longue vous a plu ou si vous en pouviez plus à la fin. Et en